Et bonjour à tous, c'est Mr. Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Foundation. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné. Je me souviens plus où ça a été arrêté. Ah si, on avait construit une ferme à blé là. Et il fallait qu'on développe notre production de blé parce qu'on va en avoir besoin pour produire de la bière. Voilà, à la base de blé, de houblon et d'eau. D'ailleurs, l'eau, ça me fait penser que là, je n'ai pas de puits à portée. J'en ai un ici, mais là, un petit peu loin, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un puits ici. Moi, on sera tranquille. Clac. Voilà. Surtout qu'on a prévu de construire pas mal de choses ici. Par contre, là, ma ferme à blé. Je vais être obligé de réduire un peu là. Ok, celle-ci pareil. Hop, clac. Ok, le bailli est disponible pour un nouveau mandat. Donc là, on a trouvé quoi comme mine? Pas grand-chose. On pourra avoir du marbre après là, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On verra par la suite. J'ai l'impression que mon charbon descend pas mal. Donc là, j'ai des fermiers qui récoltent du houblon. Ok, donc là, je vais pouvoir stocker du houblon. Et aussi du blé. Ce serait pas mal. On va mettre deux villageois. Et ensuite, on pourra y stocker de la bière. On va peut-être faire deux houblons, trois houblons même, parce que le blé, on en a là-bas. Et ici, on va reconstruire un nouveau grenier pour stocker de la bière. Un grenier qu'on va construire là. Clac. Comme ça. Hop. Voilà, là j'ai des fermiers, c'est bon. Ça, on va pas tout de suite en produire, on va attendre d'avoir un peu de réserve de houblon parce que pareil, le blé, si je me trompe pas. Ah, si, ça monte quand même le blé là. Ok, donc le blé, on est pas mal. J'ai l'impression que le blé, ça monte. Oui, le blé, ça monte, c'est bien. C'est une bonne chose ça que le blé monte. La farine, par contre, on est toujours à zéro. On va peut-être pouvoir relancer la production de farine. Hop. Peut-être également qu'on pourra refaire une autre ferme à blé par là. Et déboiser cette zone pour continuer à faire des fermes à blé par ici. Ah, ça commence à avoir une sacrée petite ville maintenant. Hop, donc la ferme à blé ici. J'ai ce qu'il faut en fermier, c'est parfait. On va lui dessiner une zone. Je crois qu'on va acheter la zone qui est à côté là. Je crois bien qu'on va acheter ce terrain. Paf, voilà. Comme ça on s'embête pas. Hop, hop, hop. Ah, c'est juste. Hop là. Clac. Voilà. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un camp forestier que j'avais mis pour reboiser ici, hein. D'ailleurs, du coup, reboisement, on va également reboiser ici. Voilà. Là, là, là. Là, là, là. Et les sangliers, ça monte un petit peu. Pourtant, j'ai trois cabanes de chasse. Hein, c'est. Ah, oui, au direct, ils vont planter quoi. Ils sont chauds, les mecs. Enfin, le mec. Ok. Donc là, j'ai pas mal de gens qui vont arriver, apparemment. Hein. Donc, un moine requiert mon audience. Qu'est-ce qu'il me veut? Ils veulent du bois. Qu'est-ce que je vais avoir besoin bientôt? Les citoyens, j'en ai pas encore 10, mais ça va pas tarder.
Bureau des impôts, ça je suppose ça va me permettre de gagner plein de sous, mais les sous je suis tranquille. On va plutôt débloquer ça. Donc il me faut que j'améliore le clergé. Donc je vais aider l'église. Hop. Et donc on va livrer du bois tout de suite, parce que le bois j'en ai pas tant que ça. Pas tant que ça en vrai. Là j'ai trois bûcherons. Qui bûcheronnent pas beaucoup, je trouve. Je trouve qu'ils bûcheronnent pas beaucoup. Hein. J'ai un peu l'impression qu'ils se touchent la nouille, les mecs. Hein. Bon, ici on va créer une zone de récolte du bois avec du reboisement. Hein, comme ça, ce sera renouvelable. Là, on a une méga zone qu'on a défrichée complètement. C'est bien. Oups, voilà. Là-bas, ils ont quasiment fini de déboiser. Ok. Et j'ai très peu de maisons qui viennent se mettre par là. Hein. Promotion disponible. Alors là, on va peut-être s'amuser un peu. Les serfs, ils ont besoin de logement et de services. On va peut-être tous les promouvoir serfs. Roturier, pas tous, non. Putain, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup de serfs. Le problème, c'est que si je fais des roturiers, faut que je. Putain, je descends en tout. C'est horrible. Il faut que j'arrive à produire la nourriture derrière. On va en faire quelques-uns quand même. Les gros niveau 4 là. Voilà. Pas trop hein, parce que j'ai les niveaux 5. Ça suffit là. Pas trop parce que le problème c'est qu'après je ne vais pas pouvoir produire assez de nourriture. Déjà je trouve qu'on je pense qu'on va descendre pas mal. Et je vais me faire une autre ferme à blé, je pense. Parce que maintenant que j'ai réactivé mon moulin. Oh, d'accord, le stock a complètement descendu là. Ok, tout à fait. C'est bien ça, c'est ce qui me semblait. Alors, c'est chaud quand même comme jeu. Alors, une maison se modernise, oui, forcément. Je voulais voir un truc, le lait. Le lait, je suis bien. Le lait, je suis bien. Est-ce que j'ai des stocks de lait ici qui sont vides? Là, j'ai du lait qui est plein. Ouais, donc en fait, j'ai mes 100 de lait ici et là, j'ai deux stocks d'avance. Donc, je peux stocker jusqu'à 300 de lait plus là-dedans, je sais pas, je pose une cinquantaine. Donc, 50 x 3, je dois être à 450 de lait que je peux stocker. Donc, on peut se faire peut-être. Sachant que le lait, il me faut un seul producteur pour produire du lait et deux pour le fromager. Alors que là, il me faut trois fermiers, deux meuniers un ou deux boulangers. Deux boulangers pour produire du pain. Donc le pain, ça demande énormément de choses. Surtout que le blé, j'en aurai besoin pour produire de la bière aussi. Peut-être qu'il vaut mieux que je nourrisse mes paysans avec du fromage. Ça me demande moins de paysans. Et ça les nourrit tout autant, a priori. Ouais. Ouais. Ça les nourrit tout autant. Les vêtements, je les vends, j'espère, parce que c'est un sacré bazar là. Non, c'était bien les routes commerciales. Les vêtements, j'en produis beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop.
Ok, bon là c'est pas mal du coup. C'est un peu trop grand la zone que j'ai créée. Mais bon, c'est pas mal quand même. On peut en faire une autre par là de ferme du coup. Zéro, on décide de rejoindre notre village. Ok. C'est pas grave. Mon or, c'est... Je suis beaucoup trop riche. Mais du coup, ce que je pourrais faire, c'est acheter de la nourriture. En fait. Un peu. Pain pour 20. Personne qui vend du fromage par contre. Donc, je pourrais acheter du pain. Je pourrais arrêter de produire du pain et en acheter. Mais là je commence à en produire beaucoup, non? Ça monte vachement là le pain et le fromage, non? Ouais, ça monte vachement là. On va attendre un peu pour voir. Je vais me refaire une ferme de blé. Par ici là. De toute façon, ce camp de bûcheron il va dégager après. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais refaire une ferme de blé. Par ici. Ça va être du secours, ouais, c'est pas mal. Donc, lui, je suis peut-être pas obligé d'aller jusque là. Voilà, parce qu'a priori, de toute façon, ils vont pas jusque là-bas. Bon, là, de toute façon, il y a une sacrée zone. Ok, le houblon, je sais pas s'il commence à en produire un petit peu. On le stocke au houblon ici. Moi, j'ai déjà un stock de plein. Le blé. Ça monte aussi. On peut peut-être commencer à produire un peu de bière. Ok, mission militaire, j'en ai pas besoin, franchement. Les outils, j'en produis. Je sais plus ce que j'avais vu qu'il y avait besoin de... qu'il allait avoir besoin d'outils pour être produit. C'est quoi là, une habitation? Ah non! Je pourrais plus m'augmenter la taille de ma machine après. Bon. Ah, oh, ils se construisent vachement par là, mais ça a créé de l'attrait ici, ce truc-là, là, ou quoi? Bah non. Résidentiel. Pourquoi ils se mettent par là alors qu'il n'y a aucun attrait? Ils auraient pu se mettre par là, plutôt. Je ne sais pas. Là, les marchés peuvent vendre de la bière? Non. Bah où c'est qu'ils vont consommer de la bière alors? Le poisson ça doit y aller aussi maintenant je pense. C'est où c'est là? Ouais non toujours pas top hein. Poisson c'est toujours pas ouf hein. J'ai toujours pas des stocks de ouf. Pourtant j'ai un paquet de pêcheurs là. Je peux pas dire que j'ai pas de pêcheurs. Là, les chasseurs, ils vont bien chasser, je pense. Donc là, ça, on va... On peut peut-être reboiser ici, hein. Carrément, hein, tant qu'on y est. S'il faut réagrandir les zones de... Mince. S'il faut que je construise des fermes, j'en reconstruirai par-dessus la forêt, hein, tant pis. Hop, allez, reboisez-moi tout ça. Voilà. Le blé, on va essayer de booster la production. Ok, bon, le pain, ça monte, mais sans plus. Le fromage, ça monte pas mal. Le houblon... Je sais pas du tout ce qu'il faut comme comme taille de champ de houblon, j'ai fait au pif. Hein. Ça c'est pareil, tous ces trucs, on sait pas trop qu'est-ce qui est optimal, qu'est-ce qui n'est pas optimal. Surtout que là le houblon on dessine les champs à l'arrache quoi. On sait pas du tout si c'est trop, si c'est pas trop. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Toujours zéro qui ont rejoint.
important, le bonheur. Ah, le bonheur, ça descend. Ils ont manqué. Comment ça? D'habitation et d'église. Alors, l'église, je veux bien le croire. L'église, je veux bien le croire. Il faudrait que j'agrandisse celle-ci. Encore. C'est pas beaucoup, ouais. Éditer. Je sais pas comment faire parce que ça va être dégueulasse après. Je sais même pas combien ça me rapporte de personnes dans mon église. Les extensions. Bon, c'est pas grave, l'église va être dégueulasse. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Hop. Hop. On va faire des petites tours, ça peut être rigolo. Mettre la tour là si je veux. Non. Enfin si j'aurais pu mais c'était pas terrible. Non. Là. Tour ronde. Ouais, pff, la thune j'en ai en masse. Ça ressemble à rien. C'est à peu près de la même taille, je pense. On va refaire un grand clocher, tiens, juste pour rigoler. Qui part comme au bout là. Ça fait quoi le grand clocher? Ça me sert à rien, non? C'est juste décoratif. On va mettre une petite croix là. Et puis des gargouilles. Hop. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Mais. Ah, on peut pas la tourner comme on veut, la gargouille. Oh, c'est dommage ça. C'est dommage. Faut tourner la tour. Ouais. Ok. Ok. Bon, alors là, mon église, si elle peut pas accueillir beaucoup de monde, je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Ah bah voilà, ils ont commencé à venir par là. Il y a un puits. On va pouvoir peut-être mettre des petites décos. Des petits arbres un peu. Ah, une fontaine, cool. Des cyprès. Un arbre décoratif. Là. 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 Juste histoire d'augmenter un peu l'attrait de la zone. Là, là, hop, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, je trouve. Ok, alors 1, 2, 3. Ah, oui, d'accord, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un instant. Hop là, c'est pas mal, c'est pas mal déjà. Ok, donc la bière, la bière, la bière, la bière, on avait dit qu'on l'a stocké ici, la bière. Bière, hop, j'en suis à combien là? 10, 10 bières, ok. Ils ont manqué de maisons. Alors attendez. La liste de mes villageois, lesquels ne sont pas contents. Lui par exemple. Lui, lui. Oh là, lui il est pas content. Ah mais ça remonte. Ok. Ça remonte. Eux ils sont pas contents.
Donc lui, il a pas pu avoir d'église. Ouais, bon, l'église, on va se débrouiller, hein. Oh là, lui, il est pas content du tout. Moins 10. Margaret. Blablabla. Impossible de trouver une maison assez proche de mon lieu de travail. Elle est chasseur. C'est où son lieu de travail? C'est ici? Ah ouais, bah les maisons, effectivement, elles sont ici les plus proches. Hein. C'est où sa maison? Ouah, ça va. Là, tu te plains pour pas grand-chose, Margaret. Hein. Marguette. Margette, même. Franchement, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Casse-toi, la fertilité. Regarde, on va agrandir la zone vers ton lieu de travail là, comme ça tu seras contente. Hop. Comme ça tout là il peut y avoir des habitations. Hein? Alors viens pas nous casser les couilles s'il te plaît. Alors un moine requiert votre audience, qu'est-ce qu'il veut lui? Des planches. On va aider l'église encore une fois. Hop, comme ça c'est fait. Promotion disponible. Citoyen, alors on va en faire quelques-uns. Combien je suis de citoyens. Voilà, autant pour moi. Faut que je coupe ça au montage. Besoin de luxe. Et pour le moment, besoin de luxe, la seule chose que je fais, c'est de la bière. Hein. Dans le monastère, je pourrais faire, pardon, du vin et du miel. Du vin et du miel. Alors les roturiers, je peux en faire un peu plus, même si ça me bouffe de la nourriture. Il n'y a que pas de maison, on dirait. J'ai vraiment beaucoup de serres. Hein. Mais faut pas en même temps que j'ai trop de roturiers non plus. Faut faire attention. Comment je peux voir mes citoyens? Statut. Citoyen. Citoyen. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Statut citoyen. Statut citoyen. J'en ai plus de 10 là. Donc j'ai dû débloquer ça. Oui, j'ai 10 citoyens. Débloquer. Bureau des impôts. Ah, pont en pierre, fontaine, cyprès. Fontaine personnalisée. Bureau des impôts. Ah, le monastère. Par contre, il me faut 50 de... Comment on appelle ça? Splendeur. Je suis à 48. 9. On devrait pouvoir y arriver. Alors ça faut que ça dégage, voilà merci. J'ai tellement de choses à faire en même temps là. La bière, on a dit qu'on en produit. Ouais, le houblon ça y va, c'est pas mal, ça a l'air de se suffire. La bière par contre. On va attendre un peu, on verra. Donc là le blé je vais commencer à en produire pas mal. La farine. Farine, c'est un peu la dèche. Hein. J'ai l'impression. Donc là, les citoyens, c'est pas mal. Ah, ils ont manqué de ça. Je ne sais pas ce que c'est. Faut que je trouve lesquels ont manqué de quoi. Donc lui, il a manqué d'église, mais ça va s'arranger. Il a manqué d'église. Ok, l'église, ouais. Oh, il y a trop. On peut pas. Bonheur, tiens. Hop, alors. Ouah, moins 30. Transporteur.
Impossible de trouver une maison assez proche de mon lieu de travail. Voir le lieu de travail. Oh, il se fout de ma gueule, il y a des maisons juste là. C'est un roturier en plus, il travaille là. Oh, c'est un peu du foutage de gueule ça. Bah, sa maison elle est pas très loin là quand même. Oh là là. Il se fout un peu de ma gueule hein. Il travaille à 66 mètres de son domicile, c'est bon. 100 mètres. Impossible de trouver assez une maison assez proche de mon lieu de travail. Ah, elle a pas de maison, elle, carrément. Ah oui, bah les mineurs, oui. 57 mètres. Bah attends, il saute de ma gueule, là. C'est combien? 145 mètres. Oh, il y a des mecs qui sont bien difficiles, là. Faut vous calmer, les gars. Oh, les gueux, là. Au boulot, hein. Ah. Et oui, l'église, je suis en train de construire des trucs. Donc la splendeur, ça va se déverrouiller tout seul. Voilà. Quand mes trucs seront finis là-bas. Fonction de construction de bureau des impôts est maintenant disponible. C'est pas ça là, le bureau des impôts. Tour, bureau des impôts. Bureau des impôts. Génère des revenus supplémentaires en collectant des impôts auprès de vos villageois. Ouais, mais j'en ai pas besoin de revenus supplémentaires, j'ai déjà plein de thunes. En plus, je suppose que ça va les rendre. Ça va les rendre malheureux, les pauvres gars. Ça va les rendre malheureux. Ok. Est-ce que j'ai des chômeurs? Métier. Oh, j'ai plus de chômeurs du tout. Merde, faut que j'attire du monde maintenant. Il faut qu'il y ait du bonheur. Alors ils ont manqué de ça. Comptoir de service. J'ai un serveur. Aucune vente. Ah bah ouais là là, la bière. Bah voilà, c'est là qu'on va vendre la bière. La bière, allez-y. Allons-y. Allez les gueux, allez vous bourrer la gueule. Ok, les maisons se modernisent. C'est bien. C'est parce que j'ai fait des roturiers. Je suppose que comment ils s'appellent, les citoyens, ils vont avoir des maisons encore plus modernes aussi. J'en ai pas vu encore. On verra. Donc là, le houblon, ça y va. Je pense qu'on va pouvoir se faire une autre brasserie. Je pense bien qu'on va pouvoir se construire une autre brasserie. Une autre brasserie par là, à côté de l'autre. Ouais, disons là. Clac. Ok, là j'ai mis des fermiers, ouais. Là ça bosse. Ouais. Ah, les lingots de fer, on en a pas des masses, hein. Oh, le charbon, c'est limite aussi, hein. Le bois, c'est pareil, hein. Où c'est qu'on a des camps de bûcherons? Là, on a des camps de bûcherons. Mais ils en branlent pas une. Et là, on a un forestier. Mais pas de camp de bûcheron. Attendez, on va faire un truc là aussi. Reboisement. Hop, donc maintenant on va enlever tout ça. On a assez reboisé ici. Hein. Là, c'est très bien reboisé. Hop, là on va y optimiser pour la chasse. Tout là c'est de la zone de chasse. Merci. Hop, ok. Ce camp forestier on va le détruire. On n'en a plus besoin. Ok. Et. Et on va en construire un ici. Camp forestier. Là. Là.
Hop, commencer la construction. Et là, on va faire toute une zone arbosée. Là, on a quelqu'un, ok. Donc, on va reboiser. Ouais, même jusque là, voilà. Clac, 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 partout. Partout ici, on va reboiser. Et on va récolter. Tout ce qu'on reboise ici, on le ramasse. Et on va faire pareil là-bas, une zone un peu plus grande, histoire qu'il me déboise tout ça. Parce que là, ils ont quasiment tout déboisé. Ok, donc là, mon village s'agrandit par ici, c'est bien. Vers mon église. Qui ressemble à rien du tout. Un peu comme celle-ci, hein. Ils manquent trop souvent de maisons. Par contre, ils se foutent un peu de ma gueule, je trouve. Mais... les mecs, ils habitent à 45 mètres de leur travail, ils sont pas contents. Ils trouvent que c'est trop loin. Bon. Il y en a zéro qui veulent se joindre chez moi. Merde. Ça, c'est pas cool. Pourtant, j'ai de la place, hein, les gars. Ah voilà, là j'ai des maisons qui se construisent, c'est bon. Alors attendez. Résidentiel, ouais. Pourquoi ils construisent pas? Là il y a plein de places. Il y a des endroits, il y a des trous et. Ils arrivent pas à s'installer. Donc là, résidentiel, on va continuer ici. Hein. Clac, 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 clac. Tout ça, c'est tout résidentiel ici. Hop, là aussi, on a dit, hein, de toute façon. Paf. Là, ça va tout être résidentiel à terme. Voilà. Hop, hop, là. Voilà. Voilà. Donc il va falloir qu'on produise du charbon là bientôt. Hein. Vraiment. Mission militaire, j'ai pas le temps. Je me demande même si je vais pas virer mes soldats. Mes soldats là. Genre lui là. Je vais pas le virer d'ici. Soldat. Ouais voilà, hop, sans emploi, toi aussi, hop, sans emploi, sans emploi, voilà, j'ai pas besoin d'avoir tant de militaires que ça. Ok, alors ici. On a un forestier qui a signé déjà, très bien. Ok, on va... ah non, c'est ça. Zone de reboisement. Et bah ici, hop, tout là, là. Hop là. Vas-y, tout ici, tout ici, tout ici, tout ici, tout ici, tout ici, tout ici. Ok, là ça va être une forêt. Forêt de récolte. Hop. Et on extraira le bois ici. Hop là. Hop là, et s'il faut, je reconstruis un camp de bûcherons, mais je pense que ce sera pas nécessaire. Le bois, ça descend. C'est pour ça que pour le moment, j'ai pas envie de faire un truc de charbon, parce que ça transforme du bois. D'ailleurs, en plus, j'ai que 2 charbonniers sur 3. Donc là, on a vachement grossi, hein, à cet épisode-là. Il y a toute cette zone qui est arrivée, il y a encore des nouvelles maisons qui arrivent, là-bas aussi. On a 202 villageois. C'est pas mal. On a 12 citoyens. Ok. Donc c'est pas mal, on a bien avancé hein, aujourd'hui dans cet épisode. Voilà, donc ça fait une petite demi-heure là qu'on tourne. Donc on va s'arrêter là. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao.